J'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes, une bonne année 2022. Voilà, qu'elle soit meilleure que 2021, même si moi personnellement j'ai eu plein de bonnes choses en 2021. Il n'y a pas eu que des bonnes choses. Voilà, le contexte plus mondial, c'est vrai que j'espère que ça va un peu s'atténuer en 2022. Et voilà, donc je ne vous ai pas pris depuis un moment parce que. On a eu pas mal de soucis avec bébé, etc., avec la maison. Enfin, il y a eu pas mal de trucs qui se sont enchaînés. Et ce que j'arrivais pas à filmer avec ma petite, tant qu'elle ne faisait pas de sieste, etc., c'était vraiment très compliqué. Maintenant qu'on a vraiment un vrai rythme, je pense que je vais pouvoir reprendre. Par contre, 2 vidéos par semaine, c'est vraiment trop ambitieux pour moi. Je pense que ça sera 1 vidéo par semaine. Voilà, je sais pas quel jour, quand j'aurai le temps. Et je pense qu'il y aura une fois un vlog, une fois une autre vidéo, une fois un vlog, une fois une autre vidéo. Voilà, je pense que c'est le plus pratique pour moi. Donc je vais vous montrer aujourd'hui mes cadeaux de Noël. Mais avant ça, je voulais vous montrer parce que j'avais commandé 2 diamond paintings que j'avais reçus. Et il me semble que je vous les avais montrés dans un vlog que j'avais filmé mais que je n'ai pas posté. Donc je vais juste vous les remontrer assez rapidement. C'était 2 diamond paintings de Sarah Musio. Donc il y avait le coral qui est super super joli, voilà, et il y avait aussi celui-ci d'Halloween, voilà, pareil qui est très beau. Donc celui d'Halloween il fait 56 x 74, il est en carré, et celui le coral il est 56 x 56 en carré aussi. Donc voilà pour les choses que j'avais pris avant Noël. Donc pour Noël, j'ai eu, je vous montre d'abord les petits cadeaux random. Donc j'ai eu un agenda, c'est mon cahier. Donc cette année, c'est sur le thème des sorcières, mais en fait, c'est aux éditions Solar. Et je les aime trop, ces petits agendas. Ils sont super mignons. En plus, au début de chaque mois, il y a des tests et tout. Enfin, c'est vraiment super sympa. Ils sont pas très chers. Donc voilà, vraiment, je vous conseille. Donc pour rester dans le thème des sorcières, ma maman m'a aussi pris un petit coffret, vous savez, chez Cultura ou quoi, la Fnac, etc. Ils font toujours plein de coffrets pour les fêtes. Et du coup, elle m'a pris ma petite sorcière préférée. Donc dedans, il y a un mug comme ça et un petit livre pour faire plein de donc rituels et recettes pour mettre de la magie dans sa vie. Mais ça a l'air, il y a des recettes qui ont l'air trop bonnes, des boissons chaudes. Donc voilà, je pense que je testerai vite fait. Et le mug, il est comme ça. Voilà, mais vraiment trop trop chou. Donc j'étais super contente. Ensuite, j'ai eu aussi là, un autre petit coffret dans le même style. J'ai eu le coffret sur le Hygge. Donc le Hygge, c'est le mode de vie à la danoise en fait. C'est voilà, apparemment au Danemark, ce sont les gens les plus heureux du monde. Et leur style de vie, c'est le Hygge. Et c'est grâce à ça qu'ils sont heureux. Donc dans ce coffret, il y a encore un mug. Moi j'adore les mugs, donc j'étais super contente. Et il y a mon cahier Happy Therapy. Donc c'est encore aux éditions Solar. Pareil, ces petits cahiers, je les adore, j'en ai vraiment plein plein plein. Et là, il y a des recettes, des idées de rituels, voilà, d'activités, enfin il y a plein de trucs. Et moi, j'adore, j'adore, je suis trop fan. Oh, j'ai un diamond painting qui se casse la figure. Donc voilà, je suis super fan, donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite, donc j'ai eu 2 livres, mais il y en a un, je ne sais pas où il est. Donc j'ai eu le tome 1 de Leonora Kay, Kim, pardon. Alors, Leonora Kim, c'est la fille de Rebecca Kim. C'est super. Moi, j'adore. C'est un peu plus jeunesse que les Rebecca Kim, mais franchement, c'est super. Et le 2, en plus, sort bientôt. Donc, Leonora Kim, c'est la fille d'une sorcière et d'un vampire. Donc, elle cumule les pouvoirs des deux, en fait. Et elle est aussi la servante de. Je sais plus comment ça.
s'appelle, mais en gros, elle peut aller dans le monde des morts. Voilà. Donc il est vraiment super. En ligne de coloriage, j'ai eu le Nightfall de Maria Troll. Je l'avais revendu. Et en fait, vu que je veux refaire la collection de Maria Troll, je l'ai redemandé, mais cette fois-ci en édition Muse. Et franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'avais revendu, parce que en le revoyant, je le trouve vraiment très beau. Alors après, par exemple, je me rappelle que j'avais fait ce coloriage et je n'aimais pas du tout ce que j'avais fait. Donc ça va me permettre de pouvoir refaire les coloriages un peu mieux. Voilà. Ensuite, j'ai eu le Season. Donc pareil, en fait, je les ai tous demandés aux éditions Muse, parce que celui-là, c'est un que j'avais, que j'ai revendu. Et pareil, c'est un livre que j'avais au tout début où je faisais du coloriage et j'aimais pas trop ce que j'en avais fait. Donc je suis très contente de le revoir. Ça va me permettre de les refaire en mieux. Voilà. Et enfin, j'ai eu la boîte à musique. Voilà, celui-ci. Et alors celui-ci, franchement, quand je voyais des coloriages passer, celui-ci je ne l'ai jamais eu. Mais quand je voyais des coloriages passer, je me disais franchement bof bof. Et en fait il est super beau. Donc vraiment, je regrette pas du tout. Alors je vous les montre vite fait, parce que franchement, c'est des livres de coloriage qu'on a vu et revu. Hein. Donc voilà. Et j'ai eu un énorme cadeau. C'est un coffret que je voulais depuis super longtemps. Alors en fait, j'hésitais entre deux coffrets. J'hésitais entre celui-là et un autre. L'autre, il y a moins d'avis dessus. On le voit beaucoup moins. Du coup, j'avoue que j'ai beaucoup hésité, parce que c'est vraiment un certain coût. Et j'avais peur de ne pas aimer l'autre gamme de crayons. Donc j'ai dit à mon mari de me prendre celle-ci. Et parce que celle-ci, je la voulais aussi beaucoup. Et je me dis que l'autre gamme, ben, on verra plus tard. En plus, j'avais vu qu'elle était descendue une fois. En fait, si vous voulez, je les mets toujours dans ma liste d'envie. Comme ça, je vois au prix le plus bas où ils peuvent arriver. Et l'autre gamme de crayons, je l'avais déjà vue beaucoup plus basse que le prix qu'elle était là en période de Noël. Donc je me dis que je vais attendre. Et quand je la verrai au prix où je l'avais déjà vue, je sais pas si c'était très français, je la prendrai. Par contre, celle-là, elle est toujours super chère. Donc voilà. Du coup, il m'a offert la boîte des 76 luminances. Voilà. Donc il manque les 20 nouvelles teintes. Mais c'est pas grave, je les prendrai. Comment on appelle ça ? Individuellement, voilà. Donc je les prendrai individuellement, je pense, mais vraiment je suis super super ravie. C'est un trop 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 beau cadeau. J'étais trop contente quand j'ai vu ça. Franchement, j'étais folle. Donc je les ai pas encore testés, je les ai pas encore utilisés. Je pense que vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Mais vraiment, je les aime trop, hein. J'en suis folle folle folle. Ils sont super beaux. Franchement, il y a des couleurs. Moi, j'aime beaucoup les teintes pastel. Et il y en a plein, en fait, dans les luminances. Je pense que je m'étais jamais vraiment penchée sur les couleurs qu'il y avait. Parce que, alors, en fait, on les voyait un peu trop tournées. Et du coup, je m'étais dit, oh, ouais, bof, quoi. Mais en fait, non, je suis super ravie de les avoir. Et voilà, j'ai hâte de les utiliser. De voir si jamais ils me plaisent, surtout. Mais ils m'ont l'air bien gras. Donc, je pense que ça va me plaire. Hein. Donc voilà, et ensuite tout le reste c'est du diamond painting. Voilà, vous savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps qu'en ce moment j'ai comme un peu tout le monde, j'ai l'impression, la folie du DP. Du coup j'ai beaucoup demandé des DP. Alors il y en a 3 que c'est moi qui... Non, il y en a 5 que c'est moi qui me suis offert pendant le Black Friday. Par contre moi j'ai trouvé que DAC, ils avaient super longtemps à les envoyer. Et d'ailleurs, mon mari m'en a offert 3 aussi. Mais dans la commande que mon mari m'a faite, il y avait 2 qui étaient en précommande. Du coup, ils ont été envoyés le 20 décembre. À l'heure où je vous filme cette vidéo, on est le 3 janvier. Et je ne les ai pas reçus, en fait. Donc, je me dis... je trouve qu'ils mettent un peu longtemps. Et je suis allée voir vous savez, le site de tracking pour voir où ça en était. Il y a marqué « En transit ». Mais c'est encore sur le site américain, donc je me dis c'est même pas arrivé en France encore, si ça se trouve. Enfin, je trouve que c'est super super long. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont changé de transporteur ou si c'est parce que c'était les fêtes, mais c'est un peu agaçant de devoir attendre autant de temps pour recevoir
bah, ses achats quoi. Du coup, si jamais ces achats arrivent avant que je n'ai posté cette vidéo, je vous les intégrerai. Mais si jamais les achats n'arrivent pas avant que j'ai filmé la vidéo, avant que je décide de poster la vidéo, ben je ne vous les intégrerai pas. Et pareil, vous les verrez dans mon service vlog, je pense. Voilà, donc j'aurais dû ouvrir les boîtes avant pour pouvoir vous éviter ce carnage. Mais il semblerait que je n'ai pas trop réfléchi aujourd'hui. Donc, le premier que je me suis pris, c'est un diamond painting rond. Alors en fait, vraiment maintenant je fais les deux et je me rends compte que bah, j'aime bien faire les deux. Donc du coup je regarde même pas si jamais c'est rond ou carré sur DAC. Par contre quand je le commande de moi-même, je prends toujours du carré. Mais sur DAC, si jamais c'est rond ou carré, je m'en fiche. Donc celui-ci, c'est un diamond painting en diamant rond qui s'appelle Steadfast Earth de Milan Art. Voilà, il fait 56 x 74 cm. Et donc c'est cette image. Ouais, je vais vous le montrer. Je vais le sortir parce que vu que. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer aussi les deux premières toiles. Je suis bête. Bah, je vous les montrerai après. Les deux premières toiles que vous savez. Que je vous ai présentées rapidement. Donc c'est. Voilà, je vais juste vous montrer comme ça. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, voilà. Donc, il est super joli celui-ci. Ben, je crois que c'est mon préféré d'elle, franchement. Voilà. Donc, j'ai commandé celui-ci. Dans la précommande que mon mari m'a faite, il y en a un autre d'elle que j'aime beaucoup aussi. J'ai hâte de l'avoir. Donc, voilà. Moi, c'est vrai que je me rends compte en fait qu'il y a des auteurs que j'adore. Et à chaque fois, j'achète. J'achète tout, j'ai envie d'avoir toutes leurs œuvres quoi. Et c'est vrai que même si jamais il y en a une qui me plaît un peu moins, je me rends compte que j'ai un peu une âme de collectionneuse, ce qui n'est pas vraiment l'idéal. Mais Milan, il y en a vraiment un que j'aime pas du tout. Là, celui d'elle que je n'ai pas et que j'aimerais bien me prendre un jour, parce que là, je ne vais plus rien commander en loisirs créatifs pendant au moins 6 mois, je pense. Histoire de vraiment pouvoir profiter, parce que je me rends compte que à chaque fois, Noël, à chaque fois en fait en fin d'année, je me prends pas mal de choses. Ah, mais il y a plein de trucs. Ah, mais j'avais pas vu. Donc, il y avait ça dedans. Ah, d'accord. En fait, apparemment, elle a un club d'art, l'illustratrice qui a fait cette illustration. Bravo, Myriam. Et donc, il y avait le toolkit qui m'est tombé un peu dessus. Du coup, je ne sais plus ce que je vous dis. Oui, je vous disais qu'en général, en fin d'année, je fais beaucoup d'achats à loisirs créatifs, art, etc. Parce que c'est vrai qu'à Noël, l'été, bah, vu qu'on colorie moins et tout, on fait moins d'achats. Et moi, c'est vrai qu'en début d'année, je fais. J'ai toujours en général. J'ai souvent une petite baisse de morale à cause du temps parce qu'il fait pas très beau. Du coup, c'est vrai que je fais pas trop de loisirs créatifs. Mais là, j'ai vraiment envie de continuer. Et donc, je me dis que pendant quelques temps, ça serait bien que si je ne commandais pas. Afin de pouvoir profiter de tout ce que j'ai. Parce que là, je pense que j'atteins la vingtaine en termes de DP. Et moi, vu que je mets quand même 2 mois, je pense, pour en faire un. Ben, ça sert vraiment à rien d'en avoir plein. Même s'il y en a beaucoup que je trouve beau. Et j'ai pas non plus 3 tonnes de place. Enfin, j'ai de la place quand même pour pouvoir en accrocher beaucoup. Mais pas non plus 3 tonnes. Et franchement, je trouve pas ça très intéressant de faire les DP si jamais je peux pas les afficher. Donc c'est pour ça, là, je pense que je vais plus en acheter. Mais ça va être très dur. Et surtout, je vais essayer, si jamais j'achète un diamond painting, de vraiment n'acheter que ceux pour lesquels j'ai un gros coup de cœur. Voilà, là par exemple je sais qu'il y en a un, il est dans ma wishlist depuis que j'ai commencé à faire du diamond painting, depuis que j'ai commencé à acheter du diamond painting sur DAC. Le jour où ils le remettent en vente, je l'achèterai, c'est sûr et certain, direct. Mais à part celui-ci, les autres je les aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas eu un coup de cœur à me dire oh là là, si je l'ai pas, je vais mourir ou un truc comme ça quoi. Donc celui-ci c'est Russia with Love, celui-là je l'aimais trop, par David McLean. Il fait 98 x 70 et c'est des diamants carrés. Je vais vous le montrer. Donc, hop, attendez, je vais vous le montrer sur la feuille parce que je trouve qu'on voit quand même mieux que.
la petite pastille. Ah ben regardez, sur cette petite pastille, vous verrez bien, je pense. Hop. Voilà. Donc c'est celui-ci. Il est absolument, absolument, absolument sublime. Je l'aime beaucoup trop. Voilà. Donc celui-ci, c'est pour aller dans mon entrée en fait. Voilà, parce que là je pense que les deux prochaines années on va... En fait on a acheté une maison où il y a pas mal de choses à... En fait elle est complètement habitable, mais elle est un peu vieille notre maison. Donc on veut refaire pas mal de petites choses. Donc je pense que les deux prochaines années on va passer à rénover pour que ce soit exactement comme on a envie. En fait voilà, on a une maison où la disposition nous plaisait parfaitement. L'emplacement nous plaisait parfaitement. Le nombre de mètres carrés, voilà, la seule chose qu'il y a, c'est que en termes de déco, elle n'était pas trop à notre goût. Mais en vrai, avec un coup de peinture, voilà, c'est même pas en gros des travaux, c'est un coup de peinture. Voilà, la seule chose qu'on veut refaire vraiment, c'est la salle de bain. Donc, ça va. Mais du coup, ce superbe tableau, ça sera pour aller dans, dans mon entrée en alternance avec un deuxième que je vous montrerai après. Mais il a l'air... Oh là là, oh là 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 là, mon dieu, quand il est beau. Mon dieu, mon dieu. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, parce que moi, je vois pas trop ce que je vous montre. Je pense que oui, vous voyez bien. Voilà. Il est absolument, absolument magnifique. Oh mon dieu, comme il est trop beau. Donc voilà, ouais, je crois qu'il y a 4 AB. Non, il y a que 2 AB par contre pour le coup. Mais bon, c'est pas très grave. Oh là 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 là, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Il va être si beau, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, j'ai très 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 hâte de le commencer celui-ci. En plus, j'ai presque fini mon diamond painting de Alice. Donc je suis déjà en train de me demander lequel je vais faire ensuite. Parce que je vous avais dit que je faisais en même temps un carré et un rond. Mais je sais pas si jamais c'est ce qui me correspond le mieux au final. Parce que je me rends compte que j'aime bien faire d'un coup le même. Et quand je suis dedans, j'ai un peu de mal à changer. Donc je me dis peut-être que je vais finir mon Alice de Sarah Musio. Parce qu'en plus c'est un rond qui est pas très grand. Donc je pense qu'il... Enfin, je pense que d'ici fin janvier, j'aurai fini mes deux diamond painting de Alice. Et après, comme ça, je pourrais commencer peut-être un plus grand projet. Voilà. Sachant que j'ai un peu plus de temps, vu que je suis mieux organisée maintenant. Ben forcément, hein. Je me dis, ça peut le faire. Donc voilà. Hop. Du coup, ça, c'est un cadeau de moi à moi. Ouais. C'est mes cadeaux du Black Friday. Et je les avais même pas ouverts. En fait, j'avais été hyper raisonnable. Mais en fait, c'est qu'on a passé les fêtes dans nos familles. Donc, on a eu nos cadeaux en revenant hier. Du coup, j'ai pas du tout eu le temps de voir quoi que ce soit. Et le troisième, bon, celui-là, je vais pas l'ouvrir parce qu'on l'a beaucoup vu tourner. Mais je le voulais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, c'est le... Hop. Oh là là. Vous voyez pas trop, trop bien. Enfin, en fait, vous voyez beaucoup le reflet de ma caméra. C'est le Mother Earth de Annaline. Et celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc, celui-ci, c'est des diamants ronds, par contre. Et il est en 56 x 76. Voilà, je vous ai dit pour les autres, il me semble. Oui. Bon, grosso modo, c'est tous la même taille, à part le Russia with Love. Et ensuite, donc, mon mari m'en a offert. Je vous ai dit 5, mais je n'en ai reçu que 2. Enfin, bon, c'est déjà pas mal, hein, d'ici à ce que je les fasse. Donc, le premier, je le voulais beaucoup trop. C'est un de Elena Dudina. Donc, Elena Dudina, moi, j'aime beaucoup. Et il y en a 3 d'elle que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et le seul qui était arrivé en version 2, c'était le Girl and Fishies. Et vu qu'il était... il y avait une super promo, il me semble, pour le Black Friday. Donc, bah, mon mari me l'a pris. Voilà. Donc, c'est... je l'ai pris en diamant carré. Par contre, comme je vous ai dit, quand c'est moi qui choisis... je le prends en carré. Alors je l'avais ouvert parce qu'en fait je voulais vérifier, parce qu'une fille disait que elle n'avait pas reçu la version 2 alors qu'elle avait commandé la version 2. Donc j'avais eu peur. Du coup on avait vérifié. Donc ça c'est le toolkit. Alors la colle est bleue. Alors je sais pas si jamais ça fait une différence. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et par contre il est super grand celui-ci. Hein. Je ne m'étais pas rendu compte. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était aussi grand. Donc celui-ci, il fait 70 par 90. Et donc, il est comme ceci. Voilà. Il est magnifique aussi.
Et vraiment super super beau. Celui-là aussi il est assez connu, il y a beaucoup de monde qui l'a. Je sais que Stéphie aussi on l'a commandé en même temps il me semble. Ou alors non, justement elle l'a commandé et elle m'a dit que c'était bon, qu'il est arrivé en version 2. Et du coup j'ai foncé. Oui voilà, je suis un pigeon, il n'y a pas besoin de m'en dire plus. Mais celui-ci c'est vrai que c'est celui qui me plaisait le plus sur le site d'Oraloa. Parce que moi c'est vrai que Oraloa j'aime pas, enfin je crois qu'il n'y a que Elena Medina que j'aime bien et qui propose. Il y a celui de Annaline que j'aime, c'est la sirène. Mais à part ces deux-là, j'aime aucun. Non, genre Violette, j'aime pas trop. L'Orphelipon. Enfin, en fait, je trouve pas que ça soit moche, mais c'est pas trop le style de choses que j'ai envie de faire. Et j'ai remarqué que autant les Diamond Painting de Dac, on peut les remettre très aisément dans leur boîte, dans leur plastique, là. Autant ceux de Oraloa, ils veulent plus rentrer. Donc j'arrive pas à le remettre en plastique. Après, c'est possible que ce soit moi qui ne sois pas douée. C'est pour ça, je ne jette pas la faute sur Oraloa. Mais je remarque que pour les personnes pas douées comme moi, c'est plus facile, Dac. Voilà, donc il m'a pris celui-ci. Et il m'en a pris un autre, un chez Dac par contre là, qui me faisait pareil envie depuis hyper longtemps. Enfin, hyper longtemps. Depuis, en fait, depuis que je suis allée sur Dac pour la première fois, il était dans ma wishlist. En fait, c'est ça. C'est qu'au Black Friday, j'ai vidé ma wishlist. J'ai pris presque tout ce que j'avais dedans. Comme ça, au moins, c'est fait. J'ai ma wishlist, mais à la maison. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez eu à Noël. Si jamais vous avez eu du diamond painting, du coloriage, des livres de lecture. Voilà. Mais moi, c'est vrai que les livres de lecture, j'en ai moins maintenant parce que vu que je lis sur liseuse, j'en achète beaucoup, beaucoup moins. Mais ça me fait de la peine parce que mes bibliothèques, elles se renouvellent pas. Donc, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que à Noël, je demande quelques livres que j'ai vraiment beaucoup aimés pour pouvoir les ajouter à ma collection. Voilà. Et j'essaye aussi de finir mes collections. Alors attendez, il faut d'abord que je sorte le toolkit parce que là, il est un petit peu coincé. Voilà, apparemment, il y a des nouveaux toolkits. Là, j'en ai pas. Peut-être dans les articles que j'aurais précommandés. On verra. De toute façon, on verra ça ensemble. Donc, c'est un diamond painting carré. C'est un diamond painting très grand. Il fait 88 par 65 cm et il s'appelle Panda Valley. Donc, voilà, je vous le montre. Donc il est comme ça. Ils sont beaucoup trop choux ces petits pandas. J'adore les pandas. Donc voilà, c'est aussi pour mon entrée en fait. Parce que moi j'aime beaucoup le blanc. Donc tous les murs seront blancs. Mais par exemple le Russia With Love, je le vois bien en automne, hiver. Alors que le panda, je le vois bien plutôt pour la période du printemps. Je suis désolée, je fais comme regarder dans le retour écran au lieu de regarder la caméra. Je suis un peu... Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Donc voilà, donc là il y a 4 AB il me semble. Hein, si on met pas des 6, 4 ou 5. Oh mon dieu, comme il est beau. Oh là 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 là. Je sais vraiment pas lequel je vais faire après. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien ça. Oui. Il est absolument magnifique. Absolument magnifique. Ça fait vraiment. Et par contre, il y a beaucoup, beaucoup de diamants. En fait, je suis pas habituée. Ah, et je suis trop contente parce que les diamants AB, c'est des gros paquets. Bah, souvent, je trouve que c'est dommage parce que les diamants AB, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, je vois qu'il y a du 3865. Et le 3865, c'est le beige. Et moi, j'en ai acheté plein en AB. Donc, si jamais je trouve qu'il n'y a pas assez d'AB. Je pourrais en rajouter un petit peu. Pareil pour le 310, j'en ai aussi un plan AB. Mais le 310, vu qu'il a des reflets bleu-violet, par exemple dans le Russia With Love, je pense que ça rendrait très bien parce que c'est un peu dans ses teintes. Par contre, dans celui-ci, j'ai un petit doute. Je ne sais pas si jamais ça rendrait aussi joli. Du fait que le DP ne soit pas du tout dans les teintes de bleu et violet. Voilà, je sais pas. Dites-moi si vous avez tenté, vous, de rajouter des AB comme ça. Et si jamais ça a rendu bien à chaque fois.
ou pas. Là, dans le dépôt que je suis en train de finir d'Alice, j'ai rajouté à certains endroits un petit peu de... Mais voilà, je trouve que ça rend bien, mais j'en ai pas ajouté trop. J'ai vraiment mis des petites touches parce que je trouvais qu'il en manquait un peu, mais sans exagérer. Et du coup, bah, je trouve que ça passe. Donc, non, j'ai encore deux DP à vous montrer que j'ai commandé, bah, pareil, au Black Friday. Mais là, je les ai commandés sur AliExpress. Mais ils me plaisaient trop. J'ai trouvé trop joli. Et je les ai... Alors, par contre, ce qui me gêne avec AliExpress, moi, je commande souvent sur Huaken. J'ai jamais eu de soucis. Là, par exemple, j'ai reçu des diamants avec le sachet percé. Ils ont dit qu'ils allaient me les renvoyer. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas mettre plus de 48 couleurs. À chaque fois, c'est le maximum que j'ai mis. Donc, je ne sais pas. Donc, je les ai pris tous les deux en 50x70. Je trouve que 50x70, c'est vraiment une bonne mesure. Je trouve qu'à partir de 50x70, on commence à avoir vraiment bien les détails et tout. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai pris ça. Donc, je vais vous les montrer rapidement parce que... Bah, vu qu'il y a du papier, on peut pas voir. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je le trouve trop joli. Voilà, donc il est assez grand. Franchement, moi je le vois dans le dos et il a l'air tellement beau. J'ai trop hâte de le faire, celui-là aussi. Par contre, voilà, peut-être que AliExpress, j'en ferai un en même temps que je fais un de chez Dac ou de Ouraloa pour voir si jamais... parce qu'on dit, tout le monde dit que c'est moins agréable. Donc on verra bien. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci, pareil, en 50x70 et avec 48 couleurs. Et donc, c'est celui-là de la jeune fille avec les papillons. Franchement, il est trop joli aussi. Donc pareil, là j'ai du 3865, il y en a un petit peu. Et dans l'autre aussi, je crois. Non, dans l'autre non. Mais du coup, vu que je les ai, vu que j'ai commandé du 3865... peut-être que je vais essayer, il y a du 310 dans l'autre pour mettre un peu de AB, mais je pense que je vais essayer de commander une ou deux couleurs de chaque en AB. C'est pour ça que ça me dérange un petit peu de ne pas voir où sont les couleurs. Donc dites-moi, s'il vous plaît, répondez-moi, mais dans les commentaires, dites-moi si jamais je peux enlever le scotch et est-ce que ça recollera après, parce que ça c'est un peu ma grande frayeur. Donc voilà, voilà ce que j'ai eu pour Noël. J'ai été très gâtée comme d'habitude. Donc, voilà, j'ai pas du tout à me plaindre. J'ai passé un très beau Noël, même si bah, c'est un peu compliqué. Tout le monde se teste. Il y a des gens qui, malgré qu'on se teste. Voilà. C'était un peu des fêtes très compliquées. Je pense que c'est pas les meilleures fêtes de ma vie, clairement. Et j'espère qu'à partir de l'année prochaine, on pourra revivre des fêtes normales. Et voilà, donc moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, je vous reprends parce que j'ai finalement reçu les 3 DP que j'avais, que j'attendais et dont je vous avais parlé au début de ma vidéo des cadeaux. Du coup, je les ai reçus avant de tourner la vidéo, enfin avant de la poster. J'en profite pour vous montrer ça. Donc, le premier diamond painting que j'ai reçu, il s'appelle Protégé de Dimitra Milan. Il venait de sortir hein, quand j'ai acheté ça. Là, les 3 que je vous montre... C'est 3 sorties du Black Friday. Voilà, qui sont sorties donc pendant le Black Friday. Alors, je l'ai déjà ouvert parce qu'en fait, je voulais voir si jamais c'était les nouveaux toolkits. Et non. Donc, moi, je suis un peu triste. J'espère que dans le prochain été que je vais recevoir, ce sera les nouveaux toolkits. Du coup, c'est une 56x66 et elle est en rond. Alors, je vous avais dit que j'allais arrêter d'acheter des DP, sauf un DP que je voulais absolument et qui était sold out. Et en fait, il s'est trouvé qu'il est revenu en stock cette semaine. Donc, j'ai commandé. J'ai trop hâte de vous le montrer. J'ai trop hâte qu'il arrive et j'ai trop hâte de le faire. Parce que vraiment, ça a été mon plus gros coup de cœur depuis que j'ai commencé le DP. La toile sur laquelle j'ai eu le plus gros coup de cœur. Alors... Donc voilà, j'espère que vous pourrez bien la voir. Elle est vraiment très jolie celle-là. Ça me fait bizarre parce que les dernières que j'ai commandées c'était beaucoup plus grandes, mais celle-là non. Donc il y a
les diamants sont là. Donc il y a 4 diamants AB. Donc il y a cette espèce de beige. Il y a le blanc, je pense. Ça y a un blanc un peu. Attendez, je regarde de plus près. Il y a un marron orangé. Et je ne sais pas quoi d'autre. Mais bon, qu'importe. Il y a quand même 4 diamants AB. Moi, j'adore les diamants AB, comme je vous l'ai dit plein de fois. Donc voilà. Et pour ceux qui voudraient voir bien, je vous le remontre parce qu'on le voit mieux ici. Donc voilà, c'est ce dessin avec le petit renard et je l'aime trop. Donc voilà, cette illustratrice ou cet illustrateur, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. J'aime beaucoup ce qu'elle fait ou ce qu'il fait aussi. Donc je suis très contente de la voir. Et en plus, franchement, j'ai pas l'impression qu'il va être trop long à faire. Donc c'est cool. Maintenant je me rends compte que j'avance plus vite qu'au début. Bon bah ce qui est normal hein, entre nous. Donc voilà, du coup je suis super ravie. Donc je le range, comme ça je pourrai vous montrer les deux autres. Et vraiment toujours la même qualité de chez DAC quoi. Voilà, vraiment super contente. Et j'ai vu sur Instagram des gens qui avaient les nouveaux tout-tout. Alors, et c'est vrai qu'il y a un washi tape et tout. Du coup, j'ai trop trop hâte d'avoir un nouveau tout-tout hein, quand même. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, celui-ci, je pense qu'il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas le nouveau toolkit parce que mine de rien, il était parti de l'entrepôt le 20 décembre. Même avant, je crois. Donc c'est normal, oui. Donc voilà, ils l'ont envoyé le 20 décembre et je l'ai reçu le 6 janvier, je crois. Donc ça fait quand même un petit temps. Donc je vais pas y passer 3 heures, je le rangerai bien. Ensuite, donc les deux autres, sans surprise, ce sont les dernières sorties de Sarah Mustapha. Ça va être le plus dur, je crois. Quand il va y avoir une sortie de Sarah Mustapha, ne pas l'acheter, ça va vraiment être le plus dur pour moi. Parce que j'adore vraiment trop tout ce qu'elle fait. Mais voilà, je voudrais pas non plus... J'achèterai quand j'aurai fini tout ce que j'ai. Donc, j'ai déjà acheté celle-ci, Moon of Goddess. C'est une 56x56. Voilà, comme celle que je suis en train de faire actuellement de Alice. Elle est en ronde, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Oh, le carton, il est un peu abîmé. C'est ouvert direct. Est-ce que c'est le nouveau toolkit? Non, toujours pas. Donc, voilà. Ouais. Et là, il y a le petit stickers. Voilà. Je pense que vous pourrez bien le voir. Donc, je vais vous montrer ça. On sent que c'est plus léger que les derniers que j'ai ouverts. Là, hein. 56x56. Hein. C'est léger, léger. J'ai mon nom, ok. Sale. Bergberger, je déteste avoir les ongles sales en plus qu'il n'aura. Alors, voilà. Je pense qu'il va être super beau aussi. Le layout était très joli. Il y a aussi 4 AB dans celui-ci, donc je suis très contente. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, des AB. Bon, comme d'habitude, dans l'étoile DAC, je trouve qu'ils n'en mettent pas tant que ça. Apparemment, Oralo en met trop. Et DAC, ben, ils en mettent pas assez à mon goût. Donc voilà. Donc, ah, mais je suis trop contente parce que cette couleur, 3865, donc il y a l'air d'en avoir beaucoup. Et moi, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Et moi, je l'ai acheté en... Ah, mais non, je l'ai en carré, je suis con. Donc je ne pourrais pas changer pour du AB. C'est pas grave. Donc déjà, je vois qu'il y a du bleu en AB. Ouais, du blanc un peu beige. Et voilà, c'est tout ce que j'arrive à voir à travers, quoi. Donc voilà, je suis très contente, je suis ravie. Je vous le remontre en grand, le dessin. Voilà, il va être super beau. Ouais, vraiment très joli. Vraiment, ce qu'a fait cette illustratrice, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, les toolkits, je les mets de côté parce que ben, je vais pas les utiliser, je pense, vu qu'il me reste encore 3 tomes de colle. Enfin voilà, en fait, je les mets tous ensemble et le jour où j'en aurai besoin d'un, ben,
J'en récupère rien à ce moment-là, mais pour l'instant, c'est vrai que ce que j'ai me suffit. Ah non, j'ai fait la fond. Bon, ben je le rangerai après parce que sinon ça va prendre 3 heures. J'ai tout fait tomber. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et donc, le dernier. Alors, celui-ci, vraiment, j'ai craqué sur le dessin. Mais j'ai peur qu'il ne me plaise pas parce qu'il m'a l'air hyper foncé. Et moi, j'aime pas trop quand c'est hyper foncé comme ça. Donc, ben, on verra. Mais j'ai un petit peu peur. Hein. Donc, il s'appelle Lady of the Lake. C'est un Saramus. Un Saramus femme. En rond. Un 56 x 74, celui-ci. Et voilà le dessin. Je vais vous montrer avec l'image qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il y a le toolkit qui n'est toujours pas à nouveau. Vous avez compris, je pense. La petite lunette et la toile. Ils ont fait un grand rabat. Voilà. Voilà. Il me semble que dans mes souvenirs, le layout, ouais, il est pas tant foncé que ça, le layout du coup. Oh, il est magnifique, très, très beau. Ah, vous verrez pas trop bien, je pense. Voilà. Oh, elle va être très belle cette toile. J'ai hâte de la faire. J'adore. On voit, ça va. C'est moins foncé que sur la page. Et donc, par contre, dans celui-ci, il n'y a que 3 AB comparé aux autres. Donc là, j'en vois un petit peu. Je vois du 2. Je vois un peu de 1, encore du 2. Le 3, c'est plus orange-orange. Mais du coup, je ne vois pas trop. Ça doit être vers le visage, peut-être. Vers le haut. Ouais, j'en vois un petit peu là-bas vers les cheveux. Mais alors, vraiment, très, très, très. Et là, on a les diamants. Donc là, je vois les diamants jaunes AB. Je vois les jaunes clairs AB aussi. Et pas les oranges, par contre, attendez. Regarde. Sans l'ouvrir, évidemment, parce que sinon, moi, je n'arriverai jamais de la vie à le refermer, c'est sûr et certain. Non, j'arrive pas. Et là, il y a 3 tonnes de noir. Oh là là. Ouais, il va être quand même assez sombre, je pense. Parce que du noir, il y en a. Regardez. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Donc. Pardon. En veux-tu? En voilà. Du coup, voilà. Là, c'en est fini de mes cadeaux de Noël, etc. C'était également mes derniers achats loisirs créatifs avant un sacré bout de temps, je pense. Là, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de profiter de tout ce que j'ai. Reprendre un peu la couture, voilà, faire mes DP. J'en ai tellement, j'ai compté, je crois que j'en ai une 20aine à faire. Donc, j'ai largement de quoi faire vu que j'en fais un en 3 mois à peu près. Donc, voilà. Et les livres de coloriage, c'est pareil, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Voilà, la seule chose que je m'autorise à acheter, c'est des livres. Parce qu'en fait, les livres, je n'arrive pas à en acheter plein d'un coup. Puisque quand j'en achète plein d'un coup, une fois que j'ai fini d'en lire un, ben je change d'avis sur celui que je veux lire après. Donc voilà, du coup c'est la seule chose que j'achète au fur et à mesure. Ben j'espère que ma vidéo sur mes cadeaux vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu à Noël. Si jamais vous avez eu des livres de coloriage comme moi, certains DP que vous avez craqué les mêmes que moi ou quoi que ce soit. Ça me fera super plaisir. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.